One, two, three, four! Morgan. Hello. Bonjour à tous. Q-Wine on Tour poursuit sa route à la découverte des vignerons, c'est les terroirs suisses. Aujourd'hui, on est chez Nadine Saxer dans le canton de Zurich. Alors Nadine, c'est la vigneronne où l'énergie féminine et la sensibilité, accompagnée de Stéphane, un vigneron originaire d'une famille de Schaffhouse. Aujourd'hui, on a un petit programme. On va faire quoi, Nadine ? Faire la taille. On va tailler les vignes ? Oui. Allez, on y va. What you have done to me. Alors, Nadine, on est en hiver. C'est la période de la taille, une opération clé et décisive dans le travail de la vigne. Lors de la taille, il est important de rester proche de la base où on y choisit la branche la plus belle et vigoureuse pour la nouvelle saison. Ah ok, et donc comme c'est la taille Guyot, je me souviens que cette baguette va venir longer le fil comme ceci. Et ici donc les pampres vont pousser et ils maintiendront donc les futurs raisins. Hein, c'est ça. Ouais. Si tu as bien travaillé. Oui. Alors voilà, nous sommes au centre de la région viticole de Zurich, le canton le plus important en termes de production de la région suisse-alémanique, avec 650 hectares essentiellement plantés de cépages rouges. Le domaine de Nadine est situé dans le Vineland, à 15 minutes de Winterthur, une ville réputée pour son architecture industrielle. Les exploitations sont petites, moyennes, souvent gérées par des structures familiales de la génération de Nadine, des producteurs au top, avec une production que l'on tenait absolument à vous faire découvrir. Allez Nadine, on fait un petit peu de sport, parfait pour se réchauffer. Oui. Alors Nadine, je comprends que tu as toujours voulu faire professeur d'escalade. Oh nein. Ah non, pas trop, j'ai un peu le vertige. Qu'est-ce qui t'a amené à la viticulture ? C'était grâce à mes parents qui ont construit ce domaine dans les années 90. Malgré un petit détour professionnel, je suis vite revenu au vin et j'ai étudié l'œnologie. Hey, 12 ans de vinification, alors une belle escalade des millésimes ? Yeah. Alors les barriques de Nadine ne sont pas stockées à l'extérieur par manque de place, mais elles profitent des basses températures de la saison pour effectuer la stabilisation physique du vin. Alors dis-moi, on parlait de 12 années de vinification, je sais aussi que tu travailles sur 3 cantons. Oui, la partie principale est ici sur Zurich et également sur Schaffhouse et Thurgovie. La combinaison des 3 terroirs est très intéressante et amène de la finesse et complexité au vin. Et la complexité. Combien de cépages sur les 3 cantons ? On cultive 8 cépages et on produit 14 vins. Moi, j'ai repéré autre chose d'intéressant sur le parking. Je pense que je te laisse ici. Ok. Merci pour la visite. Fais pas. Félicitations. Tchuss. Je vous parlais de Winterthur. J'ai trouvé le moyen adéquat pour visiter la ville. Bon, on a piqué le sidecar à Stéphane. Miss Q-Wine, on a bien mérité une petite balade en ville. Oui, à fond. Peace. C'est parti! Et n'oubliez pas, l'abus de santé est dangereux pour le vin. Portez-vous bien! Born to be wild!